Oh non. Je rigole maintenant, mais je vais moins rigoler bientôt. Hein. Hey Jean, salut. Salut Loïc. Ça va bien? Pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va encore. Bienvenue au standard. Merci, c'est gentil. Écoute, je vais te faire voir les vestiaires. Allez, top. Ok. Après toi. Merci. Bah, nous voici dans le vestiaire, Loïc. Et le standard a créé un maillot cycliste. Et on aimerait bien te l'offrir, vu que tu es un grand fan du standard. Ouais. Donc, voici. Waouh. Ça va. Merci beaucoup. C'est gentil. Bah écoute, Jean, hier j'ai fait Liège-Bastogne-Liège. Donc ce que je te propose, c'est peut-être d'aller un petit peu s'échauffer, puis pourquoi pas aller dans la roche au faucon. Ah, directement une petite roche au faucon comme ça. Ça va être compliqué quoi, mais bon, on va bien s'échauffer alors. On va s'échauffer. Allez, on est parti. Allez, go. Après une course comme ça, ce matin, c'était quoi? Bah, le matin, moi je dors généralement pas super bien après de tels efforts parce que c'est... Comme nous après un match. Ouais, c'est vraiment intense, c'est difficile de s'endormir et voilà, le corps a souffert aussi, donc pas de bonne nuit. Hier, l'effort le plus dur, c'est ce qui nous attend. Ouais, c'est là où tout s'est décidé finalement dans la Roche au Faucon, la dernière, donc on est à 10-12 km de l'arrivée. L'arrivée était près du pont de Fragné à Béville. Ah ouais. Donc ouais, c'était vraiment le moment décisif et c'est là où j'ai un petit peu craqué, un groupe de 12 coureurs qui s'échappent et je suis dans le groupe juste derrière avec 10 coureurs. En fait, au final, tout s'est joué sur 5 minutes de course, tu vois. Pour vraiment gagner ou pour faire le résultat, tout s'est joué dans la Roche au Faucon. Ok. Et c'est là que tu dois être avec, quoi. Après un effort comme ça. Ouais. A duré combien de temps la course? Presque 7 heures. Oh, 7 heures de course. T'as des questions à poser? T'as fait les finalement? 24. Bien, non? Ah, c'était pas vraiment ce que je voulais, mais non. Mais j'ai pas vraiment pris le temps. Ouais, vous étiez en match. J'ai juste résumé qu'à la Philippe, c'est pas à voir. Mais... Ouais, t'as vu? Il lève les bras trop tôt, t'as pas vu? Non, ça c'est mortel. Ça. Ouais. Ben, je sais pas toi, mais moi, je sens que je suis bien chaud maintenant. Je suis bouillant, on est parti. Ben, allez, on y va alors. Ok. Go. Bonne chance. Ouais. Merci à les gars. Bonne chance. Allez, papy. Merci. Allez, Lolo. Bonjour. Go. Bon là, tu vois, c'est la montée de la Roche au Faucon, la dernière côte de Liège-Bastogne-Liège. Ben, elle fait plaisir. Ouais, pas après facile. Après plus de 6 heures de course. Oh. Oh. T'arrives là, après une journée sur le vélo, il reste ça à faire. Et c'est ici que tout se joue, quoi. En plus. Ouais. Alors, dans une année, objectif Mont Ventoux. Ouais. On ira monter ensemble. Ben, ensemble, je pense au pied du Mont Ventoux. Ouais. Puis après, c'est une autre histoire. Niveau quadri, ça travaille bien. Ouais, je le sens. Ah. Et voilà, on a monté la Roche au Faucon. Tes impressions? Ben, c'est pas mal, ça pique quand même. Ouais, les quadris chauffaient quand même, mais ça a été, c'est une super expérience. Ouais. Franchement, à l'aide d'un pro, c'est encore mieux. Et voilà, donc je suis venu dans ton monde aujourd'hui. C'était bien sympa en tout cas. J'espère qu'on se reverra bientôt. Il faudra que tu viennes à l'ACA un jour pour une petite séance de finition. Hein. Ouais, avec plaisir. On fait ça, on programme ça. Ça va? Allez, go. On est parti? On est parti.